Sonny n'a pas dit tambourier, t'as la foi, t'as la bouca. Sonny n'a pas dit tambourier, t'as la foi, t'as la bouca. Sonny n'a pas dit tambourier, t'as la foi, t'as la bouca. Sonny n'a pas dit tambourier, t'as la foi, t'as la bouca. Ici T-Congo, le Congo des T-travailleurs, T-technocrates, T-tranquillité. Peuple congolais, notre pays, malade le Congo, demande à nous qui sommes dans le combat de lui administrer un traitement. Nous sommes donc tenus de consulter son dossier médical, de voir ses antécédents. Autrement dit, nous sommes obligés de connaître son passé, son histoire. Beaucoup de ceux qui sont dans le combat ne connaissent pas le Congo. Soit parce que ce sont des étrangers qui se sont joints à nous pour libérer le Congo. Soit parce que très jeunes, ils ont quitté le Congo et ils n'ont aucune connaissance de ce pays. Soit parce que nés à l'étranger, ils n'ont jamais vu ni connu le Congo. Soit parce que Mathieu ignore l'histoire du Congo. Bref, dans tous les cas, l'ignorance est bien présente. Il est donc nécessaire de faire l'historique du Congo depuis l'indépendance pour savoir de quel pays nous nous battons, de quel Congo nous battons. Je laisserai la latitude aux historiens de nous faire l'histoire riche et grande de ce pays, le Congo. Mais avant de nous faire cette histoire entière, je me permets de vous relater très succinctement quelques moments qui ont marqué la situation politique, économique et des assassinats du Congo. Pour chaque situation, je parlerai de l'engagement, la détermination, la contribution et l'unité prônée par les présidents et le premier ministre qui ont eu la responsabilité de gérer notre pays. Dans la première partie, je parlerai de tous les présidents, sauf du président Sassou Nguesso, qui fera l'objet d'une étude particulière. Situation politique. Avec le président l'abbé Philibert Yulu. En 1910, Brazzaville devient la capitale de l'Afrique équatoriale française, l'AEF, composée de trois territoires du Congo français, Congo, le Gabon, Ubangishari, Tchad. En 1946, création du Rassemblement démocratique africain, RDA, présidé par Félix Houphouët-Boigny, originaire de la Côte d'Ivoire, et le vice-président Jean-Félix Tshikaya, originaire de Pointe-Noire du Congo. Le 15 mai 1956, l'abbé Philibert Yulu fonde l'Union démocratique de défense et des intérêts africains, l'UDDIA. Le vice-président en est Simon Kikungangote. Ce parti aura comme concurrent le Parti progressiste congolais, le PPC, de Jean-Félix Tshikaya, le mouvement socialisme africain, le MSA de Jacques Oppongo. Le 18 novembre 1956, l'abbé Philibert Yulu est élu maire de Brazzaville avec 23 sièges, face à Jacques Oppongo, qui en avait reçu que 11. Dans la même foulée, Jean-Félix Tshikaya est élu maire de Pointe-Noire. En 1957, Simon Kikungangote quitte la vice-présidence du UDDIA et fonde son propre parti, le Groupement pour le Progrès économique et social du Moyen-Congo, en sigle GPS. Le 31 mars 1957, l'élection territoriale. Le bloc formé par le MSA, le PPC et le GPS, dirigé par Jacques Oppongo, s'affronte à l'UDIA de l'abbé Philibert Yulu. Bilan des résultats. Le bloc mené par Jacques Oppongo obtient 23 sièges et l'UDDIA 22 sièges. Mais après des négociations, un gouvernement de coalition de ces deux blocs va être formé. Oppongo est vice-président et l'abbé Philibert Yulu, ministre de l'Agriculture. Et pendant un de ses jours à Paris,
l'abbé Fulbert Hulot va rendre visite à l'élu Lunyari, en la personne de M. Georges Yambo, qui était hospitalisé. Un geste que Jacques Opango n'avait jamais posé lors de ses séjours à Paris. Et donc, de retour au Congo, lors de l'assemblée tenue à Dolisi, Georges Yambo donne sa voix à l'UDDIA, ce qui fait que la majorité bascule. L'UDDIA compte maintenant 23 sièges et la coalition menée par Jacques Opango ne compte plus que 22 sièges. L'UDDIA de Fulbert Hulot réclame alors la vice-présidence. Mais la coalition de MSA, de PPC et de GPS crie au scandale et demande la démission de Georges Yambo. Le 24 janvier 1957, la crise atteint son paroxysme lorsque Georges Yambo est enlevé afin qu'il cesse de siéger à l'Assemblée. Mais le gouvernement français, Jean-Paul Sopo, calme le jeu et maintient donc Jacques Opango comme vice-président, et l'abbé Fulbert Hulot, malgré sa majorité, reste le chef de l'opposition et garde son poste de ministre de l'Agriculture. En janvier 1958, quand Fulbert Hulot décide d'organiser les journées d'études de l'UDIA à Dolisie, le fief de GPS, les relations entre les deux parties s'enveniment entre les partisans de l'UDIA et de GPS. Bilan, au moins un mort et plusieurs blessés. En mai 1958, Jean-Félix Tshikaya quitte le PPC et rejoint Félix Houphouët-Boigny pour assumer pleinement ses fonctions de vice-président du RDA. L'UDDA alors remplace le PPC comme section locale du Moyen Congo. Toujours en mai 1958, en plus d'avoir remplacé le PPC, l'abbé Fulbert Hulot bénéficie de l'appui des milieux parisiens. Le 28 septembre 1958, malgré le refus du général de Gaulle d'organiser le référendum, l'abbé Fulbert Hulot décide d'organiser ce référendum et reçoit l'appui de Jacques Opango, de Jean-Félix Tshikaya. Ils appellent tous à voter oui. Et le oui l'emporte finalement avec 99,3% des suffrages exprimés. Par cet acte, le Moyen Congo renforce son autonomie. Le 28 novembre 1958, l'Assemblée territoriale se réunit dans la matinée en session ordinaire pour finaliser l'acte donnant droit au Moyen Congo son autonomie, pour faire doter le pays des institutions fortes. Malheureusement, Jacques Opango, le vice-président, est absent. Après plusieurs disputes très musclées, les sympathisants de Jacques Opango quittent la salle en signe de protestation, faisant donc de cet acte un mort-né. Le 28 novembre 1958, des lois constitutionnelles sont adoptées. L'Assemblée territoriale devient législative, conformément aux dispositions de la Constitution du 4 octobre 1958. À l'unanimité de 23 députés, l'abbé Fulbert Hulot est porté à la tête d'un gouvernement provisoire. Brazzaville devient la capitale du pays suite au climat politique délétère à Pointe-Noire. Le 8 décembre 1958, Fulbert Hulot devient officiellement Premier ministre. Il forme un gouvernement représentatif de la société congolaise. Sa majorité gouvernementale passe de 23 à 25 sièges, car deux députés européens de MSA s'y ajoutent, Albert Fourvel et André Kerev. Le 6 février 59, les députés du MSA réclament une nouvelle fois la dissolution de la Chambre. À l'annonce du nouveau refus, les supporters de MSA et de PPC de Poto-Poto s'en prennent à ce qu'ils considèrent comme les partisans de l'UDIA. Rapidement, ces affrontements embrasent tout Brazzaville et dérivent en une sanglante émeute entre les bandes rivales Mboshi et Larry, qui dépasse la simple rivalité MSA et UDIA. L'affrontement a fait officiellement une centaine de morts et des centaines de blessés et des maisons détruites. Un épisode triste de notre histoire.
Ces massacres marquent la naissance d'une radicalisation entre Mboshi et Larry. Le 20 février 1959, les affrontements cessent grâce à l'intervention de l'armée française qui parvient à établir le calme. Jacques Opango sera accusé et arrêté pour incitation à la violence. Ce dernier est relâché 5 mois plus tard sans avoir été jugé. Le 30 avril 1959, finalement l'abbé Fulbert Youlou dissout l'Assemblée. Le 14 juin 1959, l'UDEA emporte les élections territoriales avec 58% des suffrages, lui donnant 51 sièges à la Chambre contre 10 pour le MSA. À la suite de ces élections territoriales, l'Assemblée devient l'Assemblée nationale. Cette nouvelle Assemblée nationale reconduit l'abbé Fulbert Youlou comme Premier ministre. Le 21 décembre 1959, l'abbé Fulbert Youlou est élu président de la République du Congo. Le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Youlou nomme Jacques Opango comme ministre d'État et vice-président du Conseil. Enfin, en janvier 1961, Simon Kikunga-Ngote est nommé ministre des Affaires économiques. Le 20 mars 1961, l'abbé Fulbert Youlou est le seul candidat de l'UDIA et du MSA aux élections présidentielles. Il obtient 97,56% des voix au suffrage universel direct. Pour lui, cette victoire marque le début de l'unité nationale. En août 1962, l'abbé Fulbert Youlou annonce son intention de faire le parti unique afin de sceller la réconciliation et l'unité nationale réalisée et acquise au prix du sang. Il ne rencontre aucune opposition, au contraire. Cette décision enthousiasme Jacques Opango du MSA, Tshitshele du PPC, les responsables syndicaux, les représentants de l'Assemblée nationale et ceux de l'armée congolaise. Mais la base des syndicalistes riposte. Pour eux, les statuts ne semblent que servir les intérêts de l'abbé Fulbert Youlou. Le 13 août 1963, afin de signifier leur désapprobation, les syndicalistes décident d'organiser un arrêt de protestation à la Bourse du Travail de Brazzaville. Certains syndicalistes vont être arrêtés. Les manifestants prennent d'assaut la maison d'arrêt pour aller les délibérer, pour aller les libérer. Bilan, 3 syndicalistes sont morts, vont trouver la mort suite à la confrontation avec les forces de l'ordre. Dans la soirée, le gouvernement est dissous. Par la suite, les ministres Jacques Opango, Stéphane Tshitshele et Dominique Nzalakanda sont reconduits dans leurs fonctions. Mais les militants de l'UDIA contestent le maintien de Dominique Nzalakanda au gouvernement. Ils décident de rejoindre le mouvement de la contestation. Les syndicalistes dans leur mouvement ont réussi à gagner la sympathie des deux capitaines de l'armée congolaise, le commandant Moussaka et Félix Mouzabakani. Je rappelle en passant que Félix Mouzabakani était le neveu de l'abbé Fulbert Youlou. Le 15 août 1963, le président, l'abbé Fulbert Youlou, résigné, finit par signer sa démission en tant que président de la République, maire de Brazzaville et député de l'Assemblée. Jacques Opango, en visite en Italie, suspend sa mission et regagne automatiquement Brazzaville et rejoint Fulbert Youlou pour se constituer prisonnier par solidarité. Le 25 mars 1965, l'abbé Fulbert Youlou s'enfuit à Léopoldville, actuel Kinshasa, aidé par le président Alphonse Massamadéba. Le premier ministre de la République démocratique du Congo de l'époque, Moïse Tshombe, lui accorde immédiatement l'asile politique. Le 29 janvier 1966, il débarque à l'aéroport
du Bourget en France avec sa famille, malgré les recommandations de son conseiller aux affaires africaines, Jacques Foccart, le général de Gaulle envisage de renvoyer l'abbé Flaubert Hulot à Léopoldville, bien que citoyen français. Finalement, l'abbé Flaubert Hulot est envoyé en Espagne. Le 5 mai 1972, Flaubert Hulot trouve la mort à Madrid, en Espagne. Immédiatement, les Lari exigent le retour de son corps afin de lui administrer des cérémonies funéraires nécessaires. Marien Gwabi ne s'y pose pas, accepte pour éviter qu'il ne se produise un soulèvement. Le 16 décembre 1972, après que 3 jours, sa dépouille ait été exposée dans la cathédrale de Brazzaville, il est enterré à Madibou, son village natal, sans aucune cérémonie officielle. Jacques Opango, quant à lui, de nouveau arrêté en août 1963 après le départ de Hulot, fait la prison et quitte la politique et meurt à Brazzaville le 20 août 1978. La situation politique, cette fois-ci avec le président Alphonse Massamba Déba. En 1956, Massamba Déba est membre du PCC de Jean-Félix Tshikaya, avant d'adhérer à l'Union démocratique de la défense des intérêts africains, l'UDIA, de l'abbé Flaubert Hulot. De 1959 à 1961, Massamba Déba est élu président de l'Assemblée nationale, devient également ministre du plan et de l'équipement. Ses mœurs rigoureuses, sa simplicité, sa rigueur et sa compétence le préservent du discrédit croissant qui frappe les membres du gouvernement Hulot. En mai 1963, Massamba Déba quitte le gouvernement à la suite des divergences avec le président Flaubert Hulot. Le 15 août 1963, Mounsaka et Mouzavakani, des chefs militaires, vont se rendre en colo dans le district de Boko, dans le village natal de Alphonse Massamba Déba, demande à ce dernier de venir prendre le règne du pouvoir. Il devient donc le chef du gouvernement provisoire et constitue un cabinet réduit constitué des technocrates, donc des T. Le 8 décembre 1963, la nouvelle constitution est adoptée par référendum. Elle institue un Conseil national de la Révolution, le CNR, présidé par le président de la République. Elle prévoit la fonction de président de la République et celle du premier ministre chef du gouvernement. Le 9 décembre 1963, Alphonse Massamba Déba est candidat unique à l'élection présidentielle. Il est élu à 100% des suffrages exprimés. Le 24 décembre 1963, Alphonse Massamba Déba nomme Pascal Issouba comme premier ministre. En août 1964, Massamba Déba en est le secrétaire général du parti unique nouvellement créé, le Mouvement National de la Révolution, le MNR. Et Ambroise Mazalaï est le premier secrétaire politique, sera le premier secrétaire politique. Martin Berry aura la responsabilité de la jeunesse du Mouvement National de la Révolution, en cycle la GMNR. Le 26 avril 1966, Ambroise Mazalaï devient premier ministre en remplacement de Issouba. Une lutte sourde s'instaure entre le président et son premier ministre sur les options idéologiques, la politique de la nationalisation des entreprises et la diplomatie. Le 12 janvier 1968, le président Alphonse Massamba Déba démet Ambroise Mazalaï et décide d'assumer lui-même les fonctions du premier ministre. En juillet 1968, le capitaine Marion Gwabi est arrêté. Devant la montée de la contestation, Massamba Déba fait dissoudre l'Assemblée nationale et le bureau politique du MNR et suspend la constitution de 1963. Il en résulte alors un affrontement entre les partisans de la défense civile menée par Ange Diawara et une partie de l'armée.
Le 5 août 1968, le président Alphonse Massamba Déba forme un nouveau gouvernement et un nouveau conseil national de la révolution, la CNR, composée de 40 membres, qui est constituée avec des pouvoirs étendus. Le CNR est présidé par Marien Wabi et Massamba Déba n'en est qu'un simple membre. En dehors de Marien Wabi, plusieurs officiers ont fait partie. On peut citer Norbert Nsika, Alfred Raoul, Joseph Ngabala, Denis Sassou Nguesso, Luc Kimbalankaya, etc. Ainsi que le chef de la défense civile, Ange Diawara. Le 4 septembre 1968, Massamba Déba, dont les prérogatives du président de la République ont été restreintes par le CNR, décide officiellement de démissionner. La fonction de président de la République est provisoirement suspendue et le capitaine Alfred Raoul assume l'intérim du chef de l'État. Le 31 décembre 1968, la fonction du président de la République est rétablie et Marien Wabi devient le nouveau président de la République. Le 16 octobre 1969, Massamba Déba est arrêté par le nouveau régime de Marien Wabi et accuse des assassinats et l'accuse des assassinats de février 1965, c'est-à-dire celle de Joseph Poibou, le directeur de la Cour suprême, de Lazare Matsokota, le procureur de la République, et d'Anselme Massouémé, le directeur de l'Agence congolaise d'information. La Cour martiale chargée de les juger l'acquitte, mais implique ses collaborateurs, en l'occurrence Ambroise Noumazalaï, Lissouba, Dalagraï, Omissa, etc. Libéré, Massamba Déba se retire dans son village, Nkolo. Le 25 mars 1977, Massamba Déba est persécuté et exécuté dans la nuit, condamné à mort par la cour martiale instituée par le comité mutuel du parti. Il est présenté comme l'instigateur du complot ayant conduit à la mort du président Marien Wabi le 18 mars 1977. Son corps n'a jamais été rendu à sa famille et l'emplacement de sa sépulture n'a jamais été révélé. La situation politique, cette fois-ci avec le président Alfred Raoul. Le 7 septembre 1968, Alfred Raoul est le premier ministre chargé d'assurer l'intérim à la tête de l'État jusqu'à la mise en place d'institutions définitives, après le renversement du président Alphonse Massamba Déba. Le 5 août 1968, Alfred Raoul devient membre du nouveau Conseil national de la Révolution, la CNR, qui était composé de 40 membres et doté du pouvoir étendu, présidé par Marien Wabi. Du 5 septembre 1968 au 1er janvier 1969, soit 144 jours, Alfred Raoul va occuper les postes de Premier ministre, puis de Président de la République du Congo. De janvier 1970 à décembre 1971, Alfred Raoul est le vice-président de la République populaire du Congo. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il représentera le Congo aux obsèques du président français Charles de Gaulle. Le 7 janvier 1970, Marien Wabi est investi à la tête du parti et de l'État pour 5 ans. Il nomme Alfred Raoul vice-président du Conseil d'État. Du 27 au 31 décembre 1971, Alfred Raoul est remplacé par Maître Aloïse Moudilino Massengo au poste de vice-président, à la suite du remaniement du Conseil d'État. Il est exclu de ce comité. Le 22 février 1972, Alfred Raoul est arrêté avec plusieurs personnalités suite à une tentative de putsch menée par Ange Diawara. C'est le commandant Yombi Opango, le chef d'état-major, qui fait échec au putsch. Il compte plusieurs morts. Il quitte les affaires militaires et politiques du Congo
déçu pour n'avoir pas été général. Finalement, c'est sous la présidence de Pascal Lissouba que Alfred Raoul sera élevé au grade de général des corps armés. Le 16 juillet 1999, Alfred Raoul trouve la mort à Paris et sera inhumé à Pointe-Noire. La situation politique avec le président Marien Ngouabi. En 1966, Marien Ngouabi est membre du comité central du Mouvement national de la Révolution, MNR. En 1997, son rôle dans le comité est de défendre la révolution et la nation. Le 22 juin 1966, l'Assemblée nationale vote une loi qui transforme les forces armées congolaises, la FAC, en une armée populaire nationale, l'APN. Une direction politique à l'armée et un haut commandement collégial sont créés. Les deux sont dirigés par une commission civile coiffée par un officier membre du parti. Le capitaine Marien Ngouabi s'insurge contre cette implication de l'armée dans la politique et émet des vives critiques à l'endroit du président Massa Madiba. En guise de punition, Marien Ngouabi est muté à Pointe-Noire, mais Ngouabi refuse cette affectation. Il est mis donc aux arrêts et rétrogradé au rang de soldat de première classe par Massa Madiba. La défense civile menée par Diawara réagit et parvient à rétablir l'ordre. Ngouabi est remis en liberté et rétabli dans ses grades. En juillet 1968, Massa Madiba, devant la montée de la contestation, fait arrêter le capitaine Ngouabi. Il dissout l'Assemblée nationale et le bureau politique de la MNR et suspend la constitution de 1963. Le 3 août 1968, alors que Massa Madiba a quitté déjà le palais et se trouve dans son village natal, laissant le pouvoir vacant, l'armée publie un communiqué invitant le président de la République à reprendre ses fonctions. Dans le même communiqué, le lieutenant Poignet, secrétaire d'État à la Défense, assume l'intérim. Marien Ngouabi aussi est nommé commandant en chef de l'armée populaire nationale, en remplacement du capitaine Ebadep. Et le capitaine Louis-Sylvain Goma est nommé chef d'état-major en remplacement du capitaine Kimbolan Kaya. Le 31 décembre 1968, l'acte fondamental est de nouveau modifié. Le CNR est remanié et réduit à 28 membres en écartant les proches de Massa Madiba. Le chef du conseil du droit est président de la République. Donc, Marien Ngouabi devient ainsi le troisième président de la République. Lors de son premier discours, Marien n'a pas oublié de rappeler que la guerre de 1959 entre le Mboshi et le Lari restera une plaie incurable. En février 1969, Ngouabi réorganise l'armée et crée une cour révolutionnaire de justice chargée de juger ceux qui ont mené les activités néfastes au bon fonctionnement du MNR depuis 1963. Quelques jours plus tard, Moussa Kani, soupçonné de préparer un coup d'État, est arrêté en compagnie de d'autres officiers. Kinganga, impliqué, s'enfuit à Kinshasa. Cette cour révolutionnaire sera présidée par Simon-Pierre Ngouani Bansari, secondé par Christophe Moukweke. Il condamne Moussa Kani aux travaux forcés à perpétuer en juillet. Le 19 juin 1969, le capitaine Kikadidi, Fouetti et 17 autres personnes sont arrêtées pour tentative de coup d'État en faveur de l'ex-président Massa Madiba. Ils sont condamnés à des peines d'emprisonnement diverses et Kikadidi est radié de l'armée. Du 29 au 31 décembre 1969, au lieu du congrès constitutif du Parti congolais du travail, parti unique d'avant-garde, d'idéologie marxiste et léniniste, Claude-Ernest Ndala et
Mungunga Nkombo-Ngila vont rédiger les statuts. La nouvelle constitution est promulguée à cette occasion. La dénomination officielle du pays devient République populaire du Congo et c'est le parti qui dirige l'État. Le 7 janvier 1970, Marien Ngouabi est investi à la tête du parti et de l'État pour 5 ans. Il nomme alors Alfred Raoul vice-président du Conseil d'État. Et c'est sous Marien que la violence s'installe. Elle devient comme le mode de gouvernance. Les discours guerriers remplacent les débats idéologiques entre les modérés de Pascal Issouba et les extrémistes de Ambroise Nomazalaï. L'installation de la théorie politique et du marxisme-léninisme congolais s'accompagne des slogans porteurs sémantiques guerrières tels que « Le pouvoir est au bout du fusil, seul la lutte libère, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache, production, discipline, physique. Tu avances, nous avançons. Tu t'arrêtes, nous te pointons. Tu recules, nous t'abattons. » Le 23 mars 1970, alors que Marien Ngouabi se trouve à Pointe-Noire, le lieutenant Pierre Kinganga tente un coup d'État. Il est déjoué par le commandant Joachim Yombi Opango, chef d'État-major. Du 30 mars au 2 avril, le PCT se réunit en congrès ordinaire suite à cette tentative de coup d'État. Le bureau politique est élargi à 10 membres au profit d'Ambroise Nomazalaï et du capitaine Sassou Nguesso. La gendarmerie, dont la loyauté n'a pas été totale durant les événements, est dissoute et ses membres sont incorporés dans l'armée. Le Conseil d'État est remanié. Le 29 août 1970, l'ancien ministre Stéphane Maurice Mbonimpa est arrêté pour complot contre révolutionnaire. Il est condamné à 10 ans de travaux forcés. Quelques mois seulement après la création du PCT, l'aile gauche du parti composé de Nomazalaï, Ndala Grai, Diawara, Kimbala Nkaya, Nkombo Mationa, Bongo, Jean-Pierre Assoua commence à contester le leadership de Marien Ngouabi, lui reprochant son apathie face à la recrudescence de la corruption et une gestion ethnique du pouvoir. En mars 1971, Martin Berry fait distribuer des tracts dénonçant le tribalisme de Marien Ngouabi. Du 27 au 31 décembre 1971, lors de la session extraordinaire du comité central du PCT, il y aura tournure de l'épreuve de force entre le clan Ngouabi et l'aile gauche du parti. Au cours d'une réunion, des exclusions du bureau ou du comité central sont prononcées. De l'aile gauche, on peut citer Ndala Grai, Kombo Mationa, et de l'aile droite, Alfred Raoul. Le Conseil d'État est remanié et Maître Aloïse Moudilono Massango remplace Alfred Raoul comme vice-président. Le 22 février 1972, alors que Marien Ngouabi effectue un séjour de travail à Pointe-Noire, Ange Diawara prend la tête d'une tentative de putsch. Le commandant Yombi, chef d'état-major, fait échec à ce putsch, bilan plusieurs morts. Marien Ngouabi précipitamment rentre de Pointe-Noire. Dans la soirée, il reprend la situation en main. Mais des dizaines de personnalités comme Pascal Issouba, Kombo Mationa, Camille Bongo, Gabriel Nzabila, Ambroise Nomazalaï, Jean-Pierre Assoua, Atondi Momonjo, Ernest Ndala, Alfred Raoul, Benoît Moundé-Lengolo, ainsi que d'autres jeunes partisans de l'aile gauche de Diawara du parti sont arrêtés. Diawara et Ikoko et quelques camarades parviennent à s'échapper et établissent un maquis dans la forêt de Gomatissi. Dans le maquis, Ange rédige un tract intitulé « Autocritique de M22 ». Il dénonce la collusion de l'obimétrie, oligarchie bureaucratico-militaro-tribaliste
représentée par Ngwabi avec l'impérialiste français. En juillet 1972, Marien Ngwabi convoque une conférence nationale chargée de réfléchir aux grandes orientations du pays. Le forum ne produit pas de résultats significatifs. En août 1972, Maître Moudileno Massengo démissionne de sa charge de vice-président du Conseil d'État. Il est remplacé par Ange-Édouard Pougui. À partir de février 1973, l'armée entreprend des opérations militaires dans la région de Goma Tsétsé pour démanteler le maquis d'Ange Diawara. Au cours de la même année, Marien Ngwabi dénonce une autre tentative de Diawara et fait arrêter 45 personnes, dont Pascal Issouba, Sylvain Bemba, ministre de l'Information. Leur procès a lieu du 16 au 23 mars. Des peines diverses sont prononcées. Pascal Issouba est acquitté. Le 27 août 1973, Ngwabi nomme Henri Lopez comme Premier ministre. Il constitue un gouvernement de 17 membres. En octobre, le haut commandement militaire est également remanié. Le capitaine Victor Tika Kabbala remplace Yombi à la tête de l'armée populaire nationale. Du 5 au 12 décembre 1975, Ngwabi réunit le comité central en session extraordinaire. La direction du PCT fait le constat du manque de cohésion et de dynamique de la direction politique, du manque de compatibilité des organisations de masse et de mauvaise performance des entreprises d'État, due à l'incompétence et l'inconscience des cadres, à la pléthore des effectifs et à la course effrénée aux avantages matériels. Certains membres du comité central sont exclus, notamment Yombi Opango, Martin Berry, Pierre Nzé, Anatole Ganjo et Jean-Jules Okabando. Le bureau politique du PCT est dissous. L'état-major spécial révolutionnaire, le EMSR, est institué à la place. Il est composé de Marien Ngwabi, Jean-Pierre Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, Jean-Pierre Ngombe, Louis-Sylvain Goma, qui sera nommé par la suite Premier ministre. Le 18 décembre 1975, un nouveau gouvernement est formé de 15 ministres. Le 28 décembre 1975, Sassou est nommé délégué du Conseil d'État chargé à la défense et de la sécurité par décret présidentiel. Le 19 mars 1976, quelques semaines seulement après ces changements, l'hélicoptère du président Marien Ngwabi s'écrase dans la forêt du Nord, avec à son bord Marien Ngwabi lui-même, le commandant Kakou, le professeur Diamant et l'homme d'affaires Nicolosso. Durant 5 jours, la nation est sans nouvelles de Ngwabi et de ses compagnons. Bilan de cet accident, 2 morts. Les seuls survivants de ce crash sont Marien Ngwabi et le commandant Kakou. De retour à Brazzaville, Marien Ngwabi fait le ménage à la tête de la Confédération syndicale congolaise, où Jean-Michel Bokambaya Nguma remplace Anatole Ganjo. Et à l'UJSC, Jean-Pierre Ngombe prend la place de Jean-Jules Okabando. En mars 1977, lors d'un meeting populaire organisé par l'URFC, il s'en prend violemment à l'impérialisme français qu'il tient pour responsable des difficultés économiques du Congo. Marien Ngwabi prononce également cette phrase curieuse: « Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propriété et son unité qu'en le lavant avec ton sang. » Le 18 mars 1977, Marien Ngwabi commence sa journée par la faculté des sciences à l'université de Brazzaville, où il est chargé de cours en première année. De retour à l'état-major, il reçoit
successivement en audience Alphonse Moussoupati, le président de l'Assemblée nationale, et le cardinal Émile Biaïda. À 14h30, le président Marien Ngouabi est sauvagement abattu. Une fusillade dans l'enceinte de sa résidence est entendue. Le médecin Nkoukambemba, les légistes le déclarent mort, mais constatent que le corps du président est ciblé de balles, mais porte des habits neufs. Je dis en passant que cette date du 18 mars, nous allons faire une vidéo spéciale pour comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé le 18 mars. Donc, cette date fera l'objet d'une vidéo spéciale. Le 2 avril 1977, sera organisé les obsèques de Marien Ngouabi. Et c'est le commandant Sassou Nguesso qui fera l'oraison funèbre. À une date non connue, la dépouille de Marien Ngouabi a été exhumée en toute discrétion pour être réinhumée à Owando. Maintenant, nous allons voir la situation politique, mais avec le président Joachim Yombi Oupan. En décembre 1969, Yombi Opango entre au comité central dès la création du Parti congolais du travail. Le 28 mars 1970, alors que Marien Ngouabi se trouve à Pointe-Noire, le lieutenant Pierre Kinganga tente un coup d'État et c'est justement Yombi Opango, chef d'état-major, c'est lui qui avait déjoué le coup d'État. On en parlera plus loin. Le 22 février, une fois de plus, Marien Ngouabi effectue un séjour à Pointe-Noire. Cette fois-ci, c'est Ange Diawara qui tente un coup d'État. Et c'est toujours le commandant Marien Ngouabi, comme chef d'état-major, qui déjoue le putsch. Vous allez comprendre pourquoi que les coups d'État sont toujours déjoués par Yombi. C'est vrai qu'il est le chef d'état-major, mais nous allons démontrer, c'est parce que c'est Yombi qui est le conspirateur de ces coups d'État. Et donc, après, il montre sa loyauté à Marien Ngouabi et donc expose les meneurs des coups d'État. Le 27 août 1973, Yombi est remplacé par le capitaine Victor Tshikakabala à la tête de l'APN. Et Henri Lopez est nommé Premier ministre. En juillet 1974, Yombi Opango est nommé ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense et de la sécurité et de postes de télécommunications, en cumul de ses fonctions d'inspecteur général des forces armées. En décembre 1975, Yombi Opango est exclu du comité central, ainsi que Martin Berry. Il est démis de son poste d'inspecteur général des armées, mais nommé directeur de la Régie nationale des travaux publics. Tout ceci lors de la session extraordinaire du comité central du PCT. Le 18 mars 1977, Joachim Yombi Opango se trouve à Owando pour inaugurer le tronçon routier quand le président Marien Ngouabi va trouver la mort. Dans la nuit du 18 mars 1977, Yombi Opango va être membre du comité militaire du parti, le CMP, créé par l'état-major spécial de la Révolution, organe suprême du parti pour gérer la crise. Il est composé de colonel Joachim Yombi Opango, du commandant Denis Sassou Nguesso, du commandant Louis-Sylvain Goma, du commandant Pascal Bima, du commandant Martin Bia, du commandant Raymond Damas Ngolo, du commandant Jean-Michel Ibaka, du capitaine Nicolas Okongo, du capitaine François-Xavier Katali, du capitaine Florent Thiba et du lieutenant Pierre Onga. Le 2 avril 1977 aura lieu donc les obsèques, comme je l'ai dit, de Marien Ngouabi, et donc l'oraison funèbre avait été prononcée par Denis Sassou Nguesso. Le 3 avril 1977, le comité militaire du parti, donc le CMP,
communique sa structure définitive. Joachim Yombi Opango est le numéro 1 et devient le quatrième président de la République. Le 5 avril 1977, le CMP promulgue son acte fondamental de 24 articles qui modifie plusieurs dispositions de la Constitution. L'Assemblée nationale est dissoute. Les pouvoirs de l'Assemblée et ceux du comité central du PCT sont transférés au CMP. Le même jour, Louis-Sylvain Goma est confirmé au poste de Premier ministre. Le 6 avril 1977, Joachim Yombi Opango prête serment comme président de la République. Donc, comme vous pouvez le constater, le président de la République prête serment après que le Premier ministre soit nommé. Allez-y comprendre. Le 3 janvier 1978, une cour révolutionnaire d'exception ouvre le procès de 42 personnes impliquées dans l'assassinat de Marien Ngouabi. Le 14 août 1978, le CMP dénonce un vaste complot en préparation d'inspiration américaine. Sans donc arrêter, Félix Moussabakani, Bernard Kolela, Patrice Mfimo Machona, Dieudonné Miakassissa, Alphonse Nzingula, André Loufoy, tous sont arrêtés et tous sont du Sud, précisément du Pôle. Les festivités prévues pour la fête nationale du 15 août sont donc annulées. Le procès de ces prétendus conspirateurs n'aura jamais lieu. Courant 1978, le climat se détériore au sein du MP. Le capitaine Pierre Onga publie un document intitulé « Ce qui nous divise et les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire ». Il dénonce les manœuvres souterraines de Denis Sassou Nguesso en vue de surplanter Yombi Opango et met en lumière son écurie comme ministre de la Défense dans la protection du président Ngouabi le 18 mars 1977. Il parle ainsi de Florent Tima. Sassou Nguesso, en qualité de premier vice-président du CMP, exige et obtient la suspension de Pierre Onga du CMP pour diffamation. Devant l'agitation croissante dans le pays, par le clan Sassou, à travers des tracts qui dénoncent son train de vie et le met en cause dans l'assassinat de Marien Ngouabi, Yombi Opango est contraint de convoquer le comité central du PCT. Le 5 février 1979, dès le premier jour de la session, le comité central du PCT dépose le CMP et Yombi Opango est démis de sa fonction de président de la République. Denis Sassou Nguesso le remplace à titre provisoire dans l'attente du congrès extraordinaire du PCT en mars 1979. Le 14 mars 1979, Yombi est arrêté et mis en résidence surveillée à la cité de 17, au nord-ouest de Brazzaville. Des militaires proches de lui, dont Jean-Michel Ebaka et Pierre Onga, sont également arrêtés. Il est exproprié de ses biens, notamment de sa résidence de Mpila. En août 1990, Yombi Opango retrouve la liberté, comme tous les autres prisonniers politiques d'ailleurs. Dans la foulée, il intente un procès contre l'État congolais pour l'expropriation de ses biens après son renversement. Il gagne le procès et récupère tous ses biens. Les dommages et intérêts s'élèvent à près de 1 milliard de francs CFA. Fin 1990, Yombi Opango crée son parti, le Rassemblement pour la démocratie et le développement, le RDD. Plusieurs personnalités le rejoignent, parmi eux Jacques Opango, Saturnin Okambe, Marius Chumambenga et Anaclet Chumambe. Son parti prend part à la conférence nationale souveraine
et se positionne dans l'opposition contre le régime Sassou Nguesso. Le RDD appuie l'élection de André Milongo au poste de Premier ministre et place deux ministres dans le gouvernement de transition. Le 2 août 1992, lors du premier tour de l'élection présidentielle, Yombi Opango obtient 5% des voix et se place en cinquième position après Pascal Issouba, Bernard Kolela, Denis Sassou Nguesso et André Milongo. Le 3 décembre 1992, Yombi Opango signe l'accord pouvoir-opposition après la dissolution de l'Assemblée nationale. Il préside la mouvance présidentielle. Le RDD entre dans la coalition du gouvernement conduite par l'UPADS de Pascal Lissouba. Le 15 janvier 1993, Yombi Opango est nommé Premier ministre par Pascal Lissouba. Le 22 janvier 1995, Joachim Yombi Opango, le premier ministre, est reconduit suite à sa démission qu'il avait présentée le 13 janvier. Il publie alors son gouvernement, d'où participent le MCDDI de Bernard Kolela et le RDPS de Tshisekedi Chikaya. Le 23 août 1996, Jacques Yombi Opango démissionne de son poste de premier ministre. Le 27 août 1996, Joachim Yombi Opango est remplacé par Charles David Gano. Mais Pascal Issouba, soucieux de sa réélection, le nomme directeur de campagne pour l'élection présidentielle de 1997. Malheureusement, ces élections n'auront jamais lieu. Le 15 octobre 1997, Yombi Opango, contraint de prendre la fuite, trouve refuge au Gabon avant de s'installer en exil en Côte d'Ivoire puis en France. Suite à la victoire des forces de Sassou Nguesso sur le régime Lissouba. En décembre 2001, Yombi Opango est condamné par contumace à 20 ans de travaux forcés pour crimes économiques, bradage de ressources pétrolières du pays. En 2005, Yombi Opango en exil demande à Saturnin Okambe, qui dirigeait en ce temps le parti pendant son absence, de s'approcher de la direction du PCT. Mais Saturnin Okambe refuse et Yombi réagit avec colère. Ainsi émerge le conflit à la direction du RDD. Le 18 mai 2007, Yombi bénéficie d'une loi d'amnistie votée par le gouvernement Sassou. Il retourne alors au Congo-Brazzaville le 10 août 2007. Le 8 septembre 2007, Yombi Opango reprend la direction de son parti et annonce son intention de réorganiser le parti et d'améliorer sa position sur la scène politique nationale. Le 1er juin 2013, Yombi retourne de nouveau à Brazzaville après avoir passé plus d'un an en France pour des raisons de santé. En 2017, Yombi Opango est déclaré mourant alors que l'ancien président se reposait tranquillement à Monaco entouré de sa famille. Depuis, Joachim Yombi Opango demeure en France où sa santé est devenue précaire. Nous allons voir la situation politique avec le Premier ministre André Milongo. En mai 1991, André Milongo Nsatwabantu est élu Premier ministre de la transition. Il bénéficie des prérogatives de chef des forces armées et du président du Conseil des ministres. C'est pour cette raison que nous allons parler de sa situation politique parce que c'est par rapport aux prérogatives dont il a bénéficié que non pas nous le classions au rang des présidents, mais d'un ministre avec des prérogatives de chef de forces armées. Alors,
Il est donc le véritable chef d'orchestre durant la transition, prévue pour une durée de 12 mois. André Milongo forme tout seul son gouvernement, sans se référer ni au Conseil supérieur de la République, ni au chef d'État. Le chef d'État ici étant Sassou Nguesso. Son gouvernement est chargé d'appliquer, sous le contrôle du Conseil supérieur de la République, les décisions de la Conférence nationale souveraine. Le 15 janvier 1992, André Milongo, premier ministre de transition, est menacé de mort dans le but de compromettre la démocratie. L'information qui lui sera révélée plus tard par M. Sassou Nguesso. Le prétexte était la nomination du colonel Michel Ngangouo au poste de secrétaire d'État à la Défense. C'est ça qui a entraîné des militaires du groupement aéroporté de se révolter. Le 26 janvier 1992, André Milongo, premier ministre de la Transition, publie alors son gouvernement remanié. Ce remaniement a mis un terme à cette crise du 15 janvier. Le 15 mars 1992, la nouvelle constitution est adoptée par un référendum. Elle institue un régime semi-parlementaire avec un exécutif où le premier ministre, nommé par le président de la République, est le chef du gouvernement et est responsable devant l'Assemblée nationale qui peut le renverser par le vote d'une motion de censure. Le 3 mai 1992, il y aura les premières élections locales de l'ère démocratique. C'est l'UPADES suivi de MCDI qui vont obtenir le plus grand nombre de sièges. Le 24 juin 1992, premières élections législatives de l'ère démocratique. Il y aura 1700 candidats qui vont se disputer les 125 sièges de l'Assemblée nationale. Le 26 juillet 1992, il va y avoir lieu les premières élections sénatoriales depuis l'indépendance. 60 sénateurs sont élus par les conseillers municipaux du district et des régions. Le 2 août 1992, date à l'élection présidentielle, le premier tour compte 16 candidats, dont André Milongo arrive en quatrième position, précédé de Pascal Lissouba, qui avait obtenu 35,89%, suivi de Bernard Colella avec 20,32%, de Denis Sassou Nguesso avec 16,87%, et lui-même André Milongo qui avait eu 10,19%. Le 11 août 1992, avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, l'UPADS et ADN de Maurice Stéphane Bongo-Nouara, d'une part, et le PCT, d'autre part, signent un accord électoral en vue de gouverner ensemble et consolider le socle d'une majorité parlementaire durable. Le 16 août 1992, deuxième tour des élections présidentielles entre Pascal Lissouba et Bernard Colella. Le 20 août 1992, proclamation des résultats du deuxième tour des élections présidentielles par le ministre de l'Intérieur Alphonse Nzingula. Pascal Lissouba, âgé de 61 ans, est élu président de la République avec 63%. Le 7 octobre 1992, André Milongo crée son parti, l'Union pour la démocratie et la République, UDR-Mouinda. Le 22 juin 1993, André Milongo est élu président de l'Assemblée nationale, poste qu'il occupe jusqu'au 5 juin 1997. Il est ensuite membre du Conseil national de transition, CNT, mis en place à la fin du conflit armé du 5 juin 1997.
En 2002, André Milongo est candidat de l'opposition lors des élections présidentielles, mais se retire moins de 48 heures avant le scrutin, estimant que les conditions de transparence du scrutin n'étaient pas garanties. La même année, André Milongo a été réélu député de la circonscription de Boko dans le département du Pou. En juin 2007, pour des raisons de santé, il n'a pas pu battre campagne pour sa réélection à Boko. Il est alors éliminé dès son premier tour. André Milongo meurt à Paris le 23 juillet 2007. En août 2007, André Milongo a été enterré à Mafuta. Maintenant, nous allons parler de la situation politique avec le président Pascal Lissouan. Pascal, le 16 août 1963, Pascal Lissouba est nommé ministre de l'Agriculture et des Eaux et Forêts par Alphonse Massamba Déba, chef du gouvernement provisoire après le renversement de l'abbé Fulbert Youlou. Le 24 décembre 1963, Pascal Lissouba est nommé au poste du Premier ministre. Moins de 2 ans après son entrée dans la vie politique, il devient à l'âge de 32 ans l'un des principaux personnages de l'État et le premier collaborateur du chef de l'État. En février 1965, le président Pascal Lissouba fait partie du groupe Mpila, qui a accusé l'assassinat de Joseph Poibou, de Lazare Matsokota et de l'Anselme Massouémé par la milice politique de régime, c'est-à-dire par le MNR. Cette stratégie altère les rapports entre Massamba Déba et Lissouba. Le 15 avril 1966, Pascal Lissouba présente sa démission au président de la République, Massamba Déba, suite aux divergences de vues de plus en plus prononcées avec Massamba Déba et l'autorité d'Ambroise Nomazalaï qui contrôle le parti unique, le MNR. Il est donc remplacé par Ambroise Nomazalaï. En juillet 1968, Pascal Lissouba consigne une lettre ouverte au président de la République avec ses amis Henri Lopez, Jean-Pierre Tshisekedi, Jean-Édouard Sattou. Il exhorte le président à ne pas céder à la tentation du renfermement ethnique suite au bras de fer qu'il oppose aux officiers progressistes menés par le capitaine Marien Ngouabi. Le 5 août 1968, Pascal Lissouba est un des 39 membres du Conseil national de la Révolution mis en place. Il fait également partie du nouveau gouvernement formé par Massamba Déba, mais avec le rang du ministre de l'État chargé du plan. Le 17 octobre, Pascal Lissouba est mis en état d'arrestation et doit répondre devant la cour révolutionnaire de l'accusation de complicité dans le triple assassinat de Poibou, Matsokota et Massouémé de 1965. Ses co-accusés sont Massamba Déba, Nomazalaï, Ndala Graï, Omessa, Lunda, Bindi, Mabungu Mbimba et Van der Ressen. Le 21 novembre, tous ces accusés sont acquittés, excepté Mbindi, Mabungu Mbimba et Van der Ressen qui étaient jugés par contumace. En février 1972, Pascal Lissouba est de nouveau arrêté après l'échec du coup d'État militaire mené par Ange Diawara contre le gouvernement de la République populaire du Congo. Condamné à la réclusion par la cour martiale, Pascal Lissouba est cependant remis rapidement en liberté. Du 26 au 31 décembre 1972, Pascal Lissouba est proposé de rentrer dans le comité central lors du deuxième congrès extraordinaire du Parti congolais du travail. Il pose alors une condition, l'amnistie de tous les prisonniers politiques.
n'obtenant pas satisfaction, Pascal Lissouba organise une opposition interne au sein du parti unique. Le 23 février 1973, Pascal Lissouba, une fois de plus, il est arrêté, quelques semaines seulement après son retour dans les instances du pouvoir pour complicité dans un putsch qui aurait tenté Diawara. Suspendu du PCT et traduit devant la Cour révolutionnaire en avril, Pascal Lissouba est acquitté. Fin 1976, Pascal Lissouba, encore une fois de plus, il est arrêté après l'échec de la grève générale lancée par les victimes de la radicalisation de la révolution opérée par Marion Gwabi en décembre 1975. Il reste en prison quelques semaines. Le 18 mars 1977, le jour de l'assassinat de Marien Gwabi, Pascal Lissouba est arrêté sur l'ordre du ministre de la Défense, Denis Sassou-Nguesso. Dans les heures qui ont tout de suite suivi l'assassinat de Marien Gwabi, Pascal Lissouba est arrêté. Traduit devant la cour martiale, il est condamné à mort le 25 mars pour complicité avec Massamba Déba dans la conspiration qui a conduit la mort du président Marien Gwabi. Mais Omar Bongo va intervenir pour son frère, Lissouba. Je rappelle que Lissouba appartient à l'ethnie Nzebi, communauté à cheval entre le Congo et le Gabon. Appuyé par une mobilisation des scientifiques français et américains, Lissouba échappe au peloton d'exécution que va connaître Massamba Déba. Le comité militaire du parti commue la peine capitale en détention à perpétuité. Pascal Lissouba est incarcéré successivement à Brazzaville, à Épinal et à Ouessant. En mars 1979, Pascal Lissouba retrouve la liberté suite au mouvement du 5 février de Denis Sassou Nguesso qui a inversé Yomi Opango. En juillet 1991, Pascal Lissouba fonde l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADES. La nouvelle formation politique a intégré plusieurs partis qui ont plusieurs partis qui ont intégré la conférence nationale et rassemble de nombreuses figures de la vie politique nationale. On peut citer Simon-Pierre Kikunga Ngote, Martin Berry, Nguila Mungunga Nkombo, Augustin Poigné, Christophe Moukeke, Clément Mamba et Victor Tambatamba. Lissouba a également convaincu une bonne partie de la jeunesse de le rejoindre dans son action. Après la mise en place des organes de son parti, Lissouba repart en France pour prendre sa retraite à l'UNESCO, laissant à ses lieutenants le soin d'implanter l'UPADES. En février 1992, Pascal Lissouba revient à Brazzaville. Une foule considérable des militants et des sympathisants de l'UPADES l'accueille à l'aéroport de Mayamaya et l'escorte jusqu'au palais de Congrès où il tient son premier meeting. Il prononce une phrase qui marque les esprits: Je suis venu pour vous servir et non pas pour me servir. Sa rentrée politique intervient dans la dernière ligne droite avant la série des élections de 1992. Durant son absence, ses adjoints avaient réalisé un travail d'enrôlement des militants issus des régions de la Bouenza, de la Likoumou et du Niari et créé l'acronyme de Nibolek. Le 2 août 1992, Pascal Lissouba, lors du premier tour de l'élection présidentielle, arrive en tête avec 35,89% de voix devant Bernard Correa, qui n'a que 20,32%. Mais entre les deux tours, Pascal Lissouba obtient le ralliement des quelques battus du premier tour, notamment de Joachim Yomi Opango, de David Charles Ganao, de Alphonse Sokolaty Poity. Le 11 août,
le PCT et l'UPADES signent un accord pour constituer le socle d'une majorité parlementaire stable, gouverner ensemble, quels que soient les résultats de la présidentielle, et faire campagne commune pour l'élection de Ali Souba au second tour de la présidentielle. Critiqué pour cet accord avec le PCT, Pascal Issouba déclare « S'il faut monter sur le dos du diable, nous allons le faire, pourvu qu'on gagne l'élection. » Le 16 août 1992, Pascal Issouba devance largement Bernard Kolela avec 61,32 de voix contre 38,68 de Bernard Kolela. Les résultats sont alors proclamés le 20 août 1992. Le 31 août 1992, Pascal Issouba prête serment en tant que président de la République devant la Cour suprême au palais parlementaire, au palais du Parlement, et Sassou fait sa passation avec lui. Le 8 septembre 1992, Pascal Issouba nomme Stéphane Bongonoara comme Premier ministre, chef du gouvernement, président du comité des propriétés et de la planification. Rend public son gouvernement composé de 28 membres. Le 26 novembre 1992, le président Pascal Issouba refuse la dissolution de l'Assemblée nationale suite à la motion de censure déposée le 17 novembre 1992. Ainsi, un méga meeting, va se tenir, composé de URD et du PCT apparenté. Ce meeting se tiendra au boulevard des Armées, au cours duquel Sassou va déclarer « Quand la démocratie est menacée, les démocrates doivent se lever. » Le 3 décembre 1992, le président Pascal Issouba signe l'accord de gouvernance du nom national proposé par les FAC, conduits par Jean-Michel Moukoko, Marie-Michel Moukoko, le 2 décembre, suite à la prise en otage de la mouvance présidentielle et de l'URD-PCT. Le 6 juin 1993, la mouvance de Pascal Issouba et de l'opposition de Bernard Kolela s'affronte. Brazzaville est en état d'insurrection. L'armée quadrille la ville. Bernard Kolela appelle les Congolais à défendre la démocratie et des armes sont distribuées par milliers. Le 10 juin 1993, le président Pascal Issouba, qui avait sollicité l'avis de la Cour suprême pour publier les résultats du premier tour des élections législatives anticipées boycottées par l'opposition, obtient gain de cause. Le 14 juin 1993, il y aurait désobéissance civile avec construction des barricades lancées par l'opposition. Le 20 juin 1993, le président Pascal Issouba accepte la démission du Premier ministre Claude-Antoine Dacosta. Le 23 juin 1993, le président Pascal Issouba nomme Joachim Yombi Opango comme Premier ministre, chef du gouvernement. Le 29 juillet 1993, il y aura la médiation qui sera offerte par le président Omar Bongo du Gabon suite à la crise qui est née du différend électoral. Février 1994, les députés du Pour et du pays du Niari vont créer un groupement spécial d'intervention appelé Force d'intervention, composé des éléments de FAC. Le 5 mars 1994, les députés du Pool et du pays du Niari vont initier un train de la paix pour consolider la réconciliation entre les populations de ces régions. Le 19 août 1994, le président Pascal Issouba improvise un rituel de réconciliation entre Bernard Kolela et André Milongo lors de l'investiture de Bernard Kolela à la mairie de Brazzaville. Du 19 au 23 décembre 1994, le président Pascal Issouba et son gouvernement
en partenariat avec l'UNESCO, organise à Brazzaville le Forum national pour la culture et la paix. Six chefs d'État en exercice et trois anciens présidents vont y assister. Le 22 janvier 1995, le président Pascal Lissouba reconduit Jacques Yombi Opango comme premier ministre suite à sa démission du 13 janvier. Ce dernier publie son gouvernement, le MCDDI de Bernard Colella et le RDPS de Tshisekedi Tshikaya rentrent dans le gouvernement. Le 24 décembre 1995, en présence de Pascal Lissouba, toute la classe politique signe le pacte de paix. Un pacte en 14 points initié par le comité restreint issu du Forum national pour la culture et la paix du 24 décembre 1994. Le 29 août 1996, Pascal Issouba nomme David Charles Ganao au poste de Premier ministre suite à la démission de Joachim Yombi Opango le 23 août. Le 1er novembre 1996, en absence de Pascal Lissouba, une entrevue secrète va se tenir à l'Élysée entre le président Jacques Chirac, Omar Bongo et l'ex-président Denis Sassou Nguesso. C'est à ce jour-là où était scellé le sort du président Lissouba, le président qui a été élu démocratiquement. Le 3 février 1997, fin de la mutinerie des 300 élèves militaires du centre de formation militaire de l'UDIMA. Le 10 mai 1997, Pascal Lissouba est informé de l'arrivée à Owando de Sassou Nguesso, alors qu'il est en tournée préélectorale. La tournée est perturbée par les partisans de Yomi Opango qui s'opposent à son entrée en Tipoy. Il s'oppose, c'est précisément Jacques Okoko qui s'oppose que Sassou rentre en Tipoy dans leur fief. Alors, un militaire proche de Yombi, soupçonné de vouloir attenter à la vie de Sassou Nguesso, est abattu par la garde personnelle de Sassou. Le drame met le feu aux poudres à Owando. Les partisans de Sassou Nguesso sont pris à partie et doivent fuir la ville. Les événements causent la mort d'une dizaine de personnes. C'est l'élément précurseur de la guerre civile de 1997. Le 31 mai 1997, le président Pascal Lissouba sollicite l'aide de la communauté internationale, d'où la signature d'un code de bonne conduite en présence de Federico Mayor, avec les principaux leaders politiques congolais qui s'engagent à renoncer aux armes comme moyen de résoudre le conflit politique qui en est sans fin. Malheureusement, le président Lissouba entretenait une milice qu'il équipait avec des moyens d'État. Les autres milices s'efforçaient de voler du matériel dans les casernes. Sassou va être équipé en armement par la France. Le 5 juin 1997, une véritable guerre civile débute, préparée de longue date par le clan Sassou et certains amis de Françafrique, Elf et les vrais faux mercenaires. Au petit matin, un détachement de blindés encercle la résidence privée de M. Sassou Nguesso. Les cobras repoussent violemment l'armée et occupent en quelques heures la grande partie du centre-ville et toutes les casernes du nord de Brazzaville. La confrontation de deux camps a fait plusieurs victimes de civils. Dans la soirée, le ministre de l'Intérieur, Philippe Bikinkita, affirme que l'opération du matin était une simple opération de police visant à l'arrestation du commandant Aboy et du colonel Angobo, impliqués dans des événements de Wando et d'Oyo, qui ont trouvé refuge dans la résidence de M. Sassou Nguesso. Les deux camps s'installent dans une guerre de position. Très vite, Lissouba se rend compte
qui ne peut compter sur les forces régulières, dont plusieurs officiers rejoignent le camp de Sassou. En outre, beaucoup de militaires se refusent de prendre part au conflit. Le chef d'état-major, le général Mabika, ne tarde pas à se dérober et s'installe en Europe, officiellement pour des raisons de santé. Son adjoint, le général Mayoulou, l'imite également. Pascal Issouba se voit contraint de nommer le colonel Londo à la tête de FAC, avec le colonel Ibala. C'est lui d'ailleurs qui dirige les opérations militaires pour les forces républicaines. Du côté de Sassou, plusieurs des officiers supérieurs exclus de l'armée en 1995 encadrent les Cobras. Une semaine après les débuts des affrontements, un fort contingent des Cocoyes arrive de Loudima, où ils ont été formés par des Israéliens. Le renfort permet au président de l'Issouba de tenir encore ses positions. Le 6 juin 1997, dans ce conflit donc entre Pascal Issouba et Sassou, il sera mis en place un comité national de médiation, patronné par le leader de l'alliance URD-FDU, Bernard Collila. Le 16 juin 1997, sera mis en place un comité international de la médiation présidé par le président du Gabon, Omar Bongo. Donc, suite à cette crise, une médiation tenue à Libreville sous la présence des chefs d'État de la sous-région et une déclaration sera faite à la fin. Le 8 septembre 1997, Pascal Issouba nomme Bernard Collila au poste de Premier ministre. Le 16 septembre 1997, Pascal Issouba désiste et délègue son Premier ministre Bernard Collila de prendre part à une réunion organisée à Libreville par Omar Bongo. Plusieurs présidents vont y prendre part. Parmi eux, le président sénégalais Abdou Diouf, togolais Niasse Guillaume Eyadema, malien Alpha Omar Konaré, béninois Mathieu Kérékou, centrafricain Ange Félix Patassé, équato-guinéen Théodoro Ibiangema Mbassogo, tchadien Idriss Déby. L'objectif de ce sommet est de réunir les deux protagonistes de guerre civile congolaise pour trouver une solution de sortie de crise. Sassou était bien là, mais Issouba était absent. Le sommet ne produira aucun résultat concret. Le 15 octobre 1997, le président Pascal Issouba est donc évincé. Les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire sont sous contrôle des Forces démocratiques et patriotiques, le FDP. L'armée n'a pas résisté à l'offensive du FDP appuyée par les troupes angolaises, rwandaises, tchadiennes, marocaines, camerounaises, libanaises et d'autres, tels que les Francs 400. Après un court séjour à Libreville et au Burkina Faso, Pascal Issouba s'installe à Londres durant plusieurs années. Il revendique le statut du président constitutionnel de la République et accuse le président français Chirac et de la société ELF d'avoir favorisé la prise de pouvoir par les forces Sassou Nguesso. En septembre 1989, Pascal Issouba est condamné par contumace à Brazzaville pour crime contre l'humanité. En décembre 2001, Pascal Issouba est poursuivi pour avoir bradé le pétrole congolais par l'accord de prêt signé le 28 avril 1993 avec la société pétrolière américaine occidentale Petroleum Corporation Oxy. Il est condamné par la Haute Cour de justice de Brazzaville à 30 ans de travaux forcés et à une amende de 25 milliards de francs CFA pour crime de haute trahison. Dans le cadre de la même affaire,
Jacques Joachim Yombi Opango, Claude Antoine Dacosta, Ndila Mungunga Nkombo et Benoît Koukébéné sont reconnus coupables de détournement du dernier public et de forfaiture. Sont condamnés également par contumace et donc à 20 ans de travaux passés et à 11 milliards de francs CFA d'amende. En septembre 2004, le président Pascal Issouba s'installe à Paris dans l'hôtel particulier de la rue Prony au 17e arrondissement. Aucune poursuite judiciaire ne sera lancée contre lui. Le 11 décembre 2009, Pascal Issouba est amnistié sur l'initiative de Denis Sassou Nguesso, prononcée par le Parlement congolais. Pascal Issouba vit actuellement en France, est affaibli par sa santé. Voilà, peuple congolais, les quelques moments que nous avons jugés importants pour vous rappeler comment, quelle était la situation politique avec ces hommes, dont les hommes qui ont marqué l'histoire de ce pays. Les hommes, les pères de la nation, Youlou et Opango. Dans la suite de la vidéo, nous parlerons de l'histoire, cette fois-ci, économique et des assassinats. Bien sûr, sans Sassou. Parce que Sassou va faire l'objet d'une étude particulière. Merci.